Salut tout le monde! Et bienvenue pour ce nouvel épisode. On commence ici, donc déjà parce que hop, ça a poussé depuis la dernière fois, j'ai fait quelques petites choses, mais enfin bon, j'avais envie de d'actionner le la bestiole. Et peut-être falloir que je la continue un jour. J'ai toujours pas continué le truc à cacao, mais ça il va me falloir de toute façon du fil. Et j'en ai pas. Et. Ah, plus tard. Hop, on va les replanter en attendant que le reste arrive. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode aujourd'hui? On va faire quelque chose que je crois que j'avais dit que je voulais faire dans le dernier épisode. Je me souviens plus. Enfin, aujourd'hui, on va aller dans le Nether. On va aller voir ce qui nous attend dans ce terrible bug. C'est terrible tout ça. Par contre là ça a tendance à pas être bien. Ouh, j'aime pas ça. Bref, bon c'est pas grave. Voilà, on va essayer de voir ce que nous réserve le Nether. Ce qu'on va pouvoir y trouver, etc. Pourquoi ça bug comme ça? Peut-être parce que j'ai plus de place en fait. Oh, je suis un peu stupide. Et là, hop, voilà, je peux les récupérer. Ce n'est pas du tout un bug, c'est juste moi qui ne sais pas jouer. Alors, sinon, depuis le dernier épisode, j'ai quand même fait quelques petites choses, hein. Rangement, bah, il va falloir que je fasse quelque chose quand même, niveau rangement. Que je range un peu tout ce que j'ai, parce que là, j'ai fait pas mal de choses. Ouais, enfin, petit. Non, je crois qu'elle était déjà utilisée. Voilà, j'ai continué, bah, de. Voilà, j'ai mis de la tonne brique. Là, on va continuer ici. J'ai. Mis la table d'enchantement. Alors ça c'est parce que je vais faire un peu de déco mais j'ai pas assez de laine donc on va attendre un peu, c'est pour ça que j'ai du colorant d'ailleurs. Il va falloir que je fasse le sol aussi. Enfin voilà, j'ai mis la table d'enchantement ici. J'ai fait un autre enchant, je sais plus sur quoi, sur une pioche il me semble, je vous montrerai ça après. J'ai déplacé le lit ici parce que là-haut il y avait beaucoup trop de monstres et j'arrivais pas à dormir. Et j'ai mis le portail ici. Alors c'est un peu, je trouve ça un petit peu renforcé et pas terrible. Je changerai sûrement un truc. Enfin. Referai sûrement la salle ou un truc un peu plus grand qui descend et tout et des coulées de lave. Enfin, je ferai un truc, je pense, comme ça. Mais pour la déco, bah, j'aimerais bien faire quelque chose qui, de pour chaque pièce que je vais faire dans mon sous-sol, faire quelque chose un petit peu en rapport dans le RP. C'est-à-dire que, bah, comme c'est le Nether, j'aimerais bien mettre de la Nether brick ou des choses comme ça, quoi. De la glowstone, pas de Netherrack parce que c'est quand même immonde, mais voilà, des choses comme ça. Quelque chose un peu plus RP, vous voyez ce que je veux dire. Il faut que je range, je vais faire ça vite fait. Si je me souviens bien, voilà, ça c'est là. Oui, voilà, j'ai enchanté une. Ah oui, non, j'en ai enchanté deux des pioches. Ah, je me souviens plus de ça. Bizarre. Oui, il me semble, ouais, il me semble que j'en ai enchanté deux parce qu'en fait j'en veux une avec fortune. Et j'en ai pas. Et j'aimerais bien en avoir une pour pouvoir aller miner et avoir quelque chose de relativement correct quand même. Le diamant, ça va, il m'en reste, je pourrais me faire une autre pioche, mais j'aimerais bien tomber dessus. Ce serait cool. Mais il va falloir une machine un petit peu plus efficace que cette machine à zombies. Parce qu'elle est, je sais pas, elle déconne. S'il y a des gens qui savent, enfin de toute façon, je vais pas aller farfouiller là-dedans, mais disons que j'attends 10 minutes devant, il y a quoi, 6-7 zombies qui sont tombés, quoi. Je les tape tous. Et ouais, enfin non, c'est plutôt ça quoi. Au bout de 10 minutes, il y en a 6-7 qui sont tombés, et puis après, il y en a plus d'autres qui tombent. Ou alors ils meurent, enfin voilà. Elle est assez pas géniale. Donc, si quelqu'un a une explication, enfin, je pense que personne n'en a, hein. Mais si quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être, si c'est un problème fréquent, qu'il me le dise, sinon, bah, on fera autre chose. Pour l'XP, j'ai déjà une autre idée. Un truc beaucoup plus efficace, mais qui celui-là n'est pas de moi, ce sera du copiage total d'une machine qui existe déjà et qui est assez connue. Mais je m'en fous de copier parce que je suis pas là pour vous apprendre les différentes machines que j'ai créées parce que j'en ai vraiment pas créé beaucoup. Je suis là pour vous montrer du gameplay et c'est tout ce que j'ai à faire. Donc ce ne sera pas un problème si je copie des machines qui existent déjà. En attendant, je n'arrive pas à me concentrer pour ranger et parler en même temps, donc je. Non, ça va pas là, ça. Papier, ça va ailleurs. Ça va dans autre connerie. Diverses et variées.
ça va. Enfin, je vais le mettre là pour le moment. Ensuite, ça j'ai fini ça, cette partie-là. Ouais. Tac, tac, et ici. Donc voilà. Le temps que je finisse de préparer mes affaires, je vais me faire une nouvelle armure parce que ça va pas aller du tout. Ce que j'ai ici. Ouais. Sinon, bouger ça, mais je me reste plein de toute manière. Tac, hop. Il me semble que j'ai plus de. De pastèques, mais c'est normal, je les récupère pas. C'est un peu chiant aussi. Je me ferai peut-être un truc automatique à ce niveau-là. Oui, je vais faire pas mal de choses plus ou moins automatiques. Des fermes, de machin, bon, qui pareil ne sont pas de moi. Hein, tout a déjà été exploité dans les moindres recoins à ce niveau-là, donc ce sera juste du recopiage. De même, je ne ferai pas de tuto là-dessus parce que vous pouvez en trouver plein. D'une part, ah merde, c'est du sable, je suis con. Vous pouvez en trouver plein, donc voilà, ce sera juste pour moi, pour m'aider à avoir ce dont j'ai besoin rapidement et pas y passer des heures parce que là, enfin pour les deux enchantes que j'ai fait, je crois que j'ai fait les deux. C'était super long. J'attendais comme ça, je tapais, j'attendais, je tapais. C'était insupportable. Ça va bientôt faire 6 minutes que je range. Je vais finir ça vite fait. Allez, allez. On se concentre un peu. Pas très long. Le cobble, je vais peut-être d'ailleurs en prendre un peu. Non, c'est du gravier ça. Je ne vois rien. Marc, en même temps, je suis assez loin de mon écran et je vais pas me rapprocher sinon je vais être devant le micro et on va plus m'entendre. La glace. Glace, glace, glace. Glass plane. Il reste encore du loot ici que je vais ranger. Fil d'araignée là. Ça, j'ai. Alors j'explique vite fait, hein, je fais des shears, enfin des ciseaux, c'est comme ça que ça s'appelle en fait. Enfin, ouais, des ciseaux. C'était pour avoir du mouton, parce que il me fallait de la laine, parce que j'avais envie de finir la déco de la salle d'enchant, mais je n'ai pas trouvé. Comme je dis, sur cette map, il n'y a absolument aucun mob. Heureusement que j'ai déjà des vaches, des cochons, je m'en contrefous totalement. Mais je ferai gaffe à pas les tuer, supposons qu'il y ait une nouvelle mage qui arrive et dont les cochons soient utiles. Enfin pour le moment avec la. Je garde ça quand même. Ça va pas trop me servir. Ça je m'en fous, moi, je peux le garder. Des torches, un arc. Un arc sans flèche, ça ne sert à rien. Sauf s'il a Infinity. Mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas d'enchant sur cet arc. Quelques flèches. Et j'avais dit que je me referais un stuff. Si mes souvenirs sont bons, c'est 24, je crois, pour un stuff entier. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Yeah! Dire ça. Tac, parce que c'est bientôt mort. J'ai plein de casques. Ça, c'est les zombies, ça loot des casques. Et on va y aller. Efficiency 4, Sharpness Looting, c'est très bien. On est parti, les amis. J'ai pas pris de briquet, évidemment. Parce que je suis débile. Le brick. Je l'ai un peu utilisé parce que c'était pour le dégager quelques arbres. Pas loin de la. De l'endroit où je voulais construire la maison. Et enfin, c'était des arbres grands. Et comme j'avais pas envie de faire des tours en dirt pour aller chercher où seraient les bûches qui restaient, j'ai brûlé. Ah. Alors, on est parti. On est dans une espèce de. Pas de caverne parce que ça a l'air de ressortir de deux côtés. Mais c'est pas mal, c'est plutôt bien. Oula. Oula, ça lag. C'est normal, c'est le nez. Non, en fait, non, c'était juste un bug de chunk. Ouais, non, c'est les chunks doivent charger, donc ça va laguer un peu, je suis désolé. Ouais, non, c'est pas mal d'être dans une. Ouais, voilà. Je fais troller, mais de toute façon, il va falloir que je sorte. Donc que je pète tout ça. Je pense que. Oh! Ah d'accord, non, c'est bon. Oh, ah voilà. Bah, déjà, on a déjà de la glowstone, c'est très bien. Et un gouffre! Ouais! Alors, on va observer s'il n'y a pas un fort quelque part. Mais c'est bien, là, le... Je vais gaspiller toute ma pioche à faire ça, mais bon. Le portail est un peu sécurisé, donc on pourra rentrer de façon un peu safe. On va...
péter là. Là, une seal touch aurait été intéressante pour la. La glowstone. On ira chercher ça plus tard ou on ira pas le chercher, c'est pas grave. Falloir que je passe, que je traverse. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Juste que c'est pas chargé quoi. Je dois en avoir un bon stack quand même. Oh! D'accord! Ok. Du calme le gars, s'il te plaît. Je peux te toucher, je sais pas. Je suis pas très bon à l'arc. Ah! Je suis pas sûr de le toucher en fait. Non, que dalle. Mais là, ça va être juste hyper dangereux de sortir. Falloir qu'il dégage le gaz là. Non, ça va pas aller du tout. Alors que j'arrive à le tuer, mais. Pas du tout, s'il faut viser un peu plus haut ou quoi que ce soit. Non, plus haut. Mais là, je vais pas l'avoir. Non, il est beaucoup trop loin. Puis je vais me casser la gueule et je vais mourir. En plus, ça semble bien abrupt. Je vais regarder si de l'autre côté, il n'y a pas une sortie éventuelle possible. Parce que là, de ce côté-là, c'est beaucoup trop dangereux. J'ai du stuff, quoi, merde. À mon avis... Aïe aïe aïe. Et ma pioche, je vais y passer. Hein. Toute cette Nézorak à la con. Ah, ça semble mieux par ici. On va descendre plus safe par là. Hop, hop, hop. Vas-y, encore une grotte. Génial! C'est trop bien! J'adore le Nether! C'est tellement cool! Alors, on va bien sortir quelque part, j'ai vu qu'il y avait une espèce de grand gouffre là. Allez! Voilà! C'est bien! Ma pioche qui a déjà le quart qui est épuisé, mais c'est bon, j'ai réussi à sortir. Ah putain. Alors, toi, t'as pas compris. Je ne voulais pas de toi ici. Ah, je t'ai eu. Allez, viens, viens. Fail. Il fuit. Il fuit, se lâche. Vous l'avez vu? Il a foutu le feu partout, cette espèce d'enflure. Par où? T'es par où, petit con? Flèche à moi en bas. Ok, donc on est vachement haut en fait. Et. Alors que, bah, maintenant qu'il est plus là, peut-être essayer. Ouais, ça va être gars. Ouh. Oh, oh, ce tir! Oh. Bref. Essayez, voilà, de rejoindre cet endroit. Va être compliqué. Fais gaffe à ce qu'il n'y ait aucun ghast pour me faire chier pas loin. Pigmen, je m'en fous. Si on les tape pas, ils nous tapent pas. Mais les ghasts, c'est des vraies saletés. On va monter encore un peu plus. Merde, bon. Je pense que j'en aurai assez quand même de la Netherrack. Oh, tranquille. Hein. J'ai 5 stacks, ça va aller. 5, 3, 4, 5. Ouais, 5 stacks et demi. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content de la position du portail. Ça, c'est bien. Là, bah, je vais finir ma. Visiblement, ma. Mon escalier. Ouh, j'entends. Voilà, c'est le bruit. Oh, je confonds sûrement les bruits des pigmen et des ghasts. Mais bon, genre de situation un peu compliquée, voilà. Voilà. Ah bah, il est là, c'est pour ça. Ah, il va me péter mon escalier. Saligo! Tiens.
Tiens! Voilà. J'espère qu'il m'a rien pété. On verra plus tard. Et donc nous allons partir à la recherche d'un fort, les amis. Tout en laguant. Putain, il y en a partout et j'ai plus avoir de flèches. Non, je l'ai pas touché. Trop loin. Ouais, j'ai plus que 9 flèches. Ça va être compliqué. Il vaut mieux que j'en garde. Cas d'extrême nécessité. Bah le voilà notre fort. Tranquille. Excusez-moi, petite seconde. Hop. Je pense pas que vous verriez quelque chose à l'écran, si peut-être. Mais j'agrandis ma fenêtre Minecraft parce que je vois pas grand-chose. Je suis myope et j'oublie toujours de jouer avec mes lunettes. Ce qui est débile, hein. Il faut. On va se faire une petite descente. Sympa. D'accord, c'est la fête. Ok. Baston! Je veille pas seul. Et je lag comme un porc. Merci les Blaze. Meurs. Oh. En plus. Ah oui, j'ai une épée looting, ça c'est bien. Merci. Y'a plus les Nether. Nether. Netherwart. Pas parler. Et je lag comme un gros porc. Ça c'est l'effet Nether. Oh putain, j'ai plus de vie. Ouf. Bon bah ce fut pas très compliqué, hein. On a un fort juste à côté avec des blazes qui visiblement sont pas loin. Mais enfin après des fois généralement quand on génère le fort. Non, il y en avait une troisième. Hein. Une troisième. On dit un blaze ou une blaze? Ah. Un blaze me semble. On va l'ignorer. On va aller récupérer la Nether Wart. C'est très important ça. Potion, potion. Surtout que hop, on a déjà 5 blaze rods. C'est parfait. Et maintenant la Nether Wart, on peut la cultiver dans le monde réel. Donc on n'aura plus besoin de revenir ici pour en récupérer d'autres. Mais enfin bon. Luminosité à la con. Je vais faire juste une petite. Et là, oups. Je vais chercher mes lunettes. Là c'est insupportable. À tout de suite. Et me revoici avec des lunettes. Merveilleux. Et oui, j'ai pas beaucoup de lumière, mais bon ça, en fait, je vais maintenant réduire à nouveau la fenêtre. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je vois pas grand-chose. Il y a peu de lumière ici. Ah, c'est mieux. Ouh, Blaze, pas gentil, pas bien. Copain. Toutoulou. Ouh là, j'étais loin de mon micro là. Peut-être pas du grand temps de grand chose. Bonjour toi. On va éviter de se perdre. Et je voudrais trouver d'où viennent ces blazes. Enfin, trouver le spawner quoi. Bon, je vais pas le. Oh, si je pourrais essayer. Parce que là, ça fait 20 minutes. Ouais, 20 minutes, c'est un peu court quand même pour un épisode. Enfin, c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais vu que généralement je fais des coupures un peu partout. Oh putain! Oh putain de bordel de merde de la con! Pas le prix. Bon. On va essayer de pas se perdre. Je mets des torches, hein. Des torches ça veut dire que je suis pas loin. On va continuer par là. Non, c'est un fail. C'est un troll absolu. Je pense que par là. Par là, ça doit être pas mal. Petite torche. Par où? Vous allez par là? Ouh, glowstone. Enfin, de la glowstone, j'en ai deux. C'est totalement inutile. Deux glowstone, ça sert à rien. Faudrait que je ramène de la nether brick aussi. Ah, bah voilà. Trouvé. Oh, bonjour toi. Vas-y, loot-moi un truc. Bah non! Les petits, ils lootent rien, c'est que les moyens qui lootent. J'ai une épée looting 2 et tu m'as rien looté, mais tu te fous de ma gueule. Ah! Putain. Alors. Pour empêcher de spawner, il faut foutre des blocs un peu partout. Aïe aïe aïe. Là en fait de là. J'ai pas de slime ball. Il va me falloir des slime balls aussi. Pourquoi des slime balls? Pour me faire de la crème de magma. Et.
Passe par au-dessus. Glowstone! Moi, celle-là, je pourrais la récupérer sans problème. Ah oui, il y a un passage. Et plus de lumière. Bon, tant pis, au moins j'ai de la glowstone, j'en voulais. Oui, la crème de magma pour faire des potions de résistance au feu! Donne-moi des blaze rods. J'en ai 9. Putain, 9, c'est pas mal quand même. Première expédition là. Là, il va me faire chier, mais. Oui, voilà. C'est le 1 qui fait des blaze rods ici. Hop! Petite cachette. Ah! Coucou! Je vais comme un bourrin, mais je m'en fous complètement. Il reste la glowstone ici. 15. Putain, franchement, ça va aller quoi. La nether brick. Oui, je voulais récupérer de la nether brick. Bon, on a notre spawner qui n'est pas du tout. Comment? Safe et sécurisé. En montant l'escalier, ce qu'il me faut de la nether brick pour un parce que là au niveau déco c'est pas mal, c'est joli, moi j'aime bien, ça donne un côté un peu lugubre mais qui reste quand même un peu, enfin qui reste sympathique, moi j'aime bien. Voilà, on récupère celle là tac. Non mais il me récupère aussi de la nether hack, je m'en fous de la nether hack à la con, ça me gaspille ma pioche. Espèce de camp. 38, je crois qu'il y en a un peu en bas. Et niveau blaze, on sera bien là. Ouh, toi là-bas, je t'ai vu. Viens là. Où les cons. Wait. Wait. Ah merde, j'ai tapé les cochons. C'est vrai. Voilà. Ah putain, saleté de lag. Ah, fait chier. Ah, et puis maintenant ils vont tous vouloir me tuer. Oh putain. Bon, on va se dépêcher de récupérer le stuff. Et je vais continuer à laguer évidemment, hein. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Ouais, bon, il m'a pas pété grand chose le gaz tout à l'heure. Aïe. Parce que là j'ai pas mal de stuff. Oh ouais, mais il y en aura plein des zombies là. Oh non, gaz. J'en ai marre. Aïe. C'est par là non? Ah oui, mais pour remonter, il va falloir que. Tu veux me tuer, toi? Non, ça va. T'es gentil. Ah oui, mais j'ai pas pris d'armes, je suis con. Ils vont vouloir me tuer là-bas, évidemment. Ah, péting. Ça va être compliqué. Mais bon, on va y arriver, on va s'en sortir. Allez. Tiens, c'est marrant, je lag plus maintenant. Oh, mais plus personne. Bon, tant mieux. Hein. Hop. Et j'ai mon épée. J'ai ça. J'ai récupéré un peu toutes ces choses. Bon. Allez, un dernier. J'en ai que 16. J'en avais 19. Ouais, c'est de mon imagination, je pense pas. Bon, maintenant faut revenir. Allez, 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 allez. On rentre à la maison, les amis. On a ce qu'il nous fallait, de la netherwart. Bah, il va falloir de la soul sand pour faire pousser la netherwart dans le monde réel. Je vais en récupérer en remontant, si j'y pense. J'ai tendance à dire que je fais quelque chose et puis à oublier 2 secondes après qu'il faut que je le fasse. Bon, hop. Ici, même encore un peu de stone brick, on en a jamais assez. On a un fort pas loin et des escaliers, même. Ouais, bon, de toute façon, les escaliers. Je sais comment faire, hein. Ça se craft pareil. Et la netherrack ici pour. Pouvoir remonter parce que là-bas, je rappelle, il n'y a pas d'accès. Toujours là le ghast?
Visiblement non. Coucou. Je remonte. Ah putain. Il est où? Voilà. On est sauvés. Du moins pour le moment. Ah! Gast. Là, faut pas trop que je sprint parce que il me semble qu'il y a un gros trou avec de la lave juste là. Par contre, ouais, non, là. Ça... Oh putain, non, pas mon escalier. Salaud. Ça va, tu veux plus me tuer, c'est bon? Vite. Voilà. Sauvé. Rentrons à la maison. On est ce qu'il nous fallait. Et. Ah, oui. C'est mon portable qui vient de sonner. Et je me suis dit, non, c'est quoi ces conneries? Je l'ai mis en mode avion. C'est pas possible. Quoi? J'ai appuyé sur quoi? Ah, oula. Ok, j'ai pas compris. Alors, on a plein de choses, c'est merveilleux. Toute la netherrack ici. Un coup la dorge, je m'en suis pas servi, mais c'est normal, généralement on s'en sert pas. On plantera ça en sous-sol quelque part. On verra. On a de la glowstone dust pour faire de la glowstone. On a de la nether brick. On a des nether brick stairs. Et on a de la netherrod. Et on a des blaze rods. On en a 16, c'est un truc de fou. Je pensais pas revenir avec 16 blaze rods. Mais de toute manière, on en aura beaucoup plus à l'avenir. Je ne vous en dis pas plus. Et on va se laisser. C'était épisode 6, me semble-t-il. Oui, on m'a fait remarquer que ce sol était affreux. Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord. Je vais le changer. Hein. C'était juste qu'en attendant. Enfin, un truc, bon, je ne mettrai peut-être pas de la Nether Brick maintenant que j'en ai, mais il va falloir que, effectivement, je mette quelque chose d'autre. Ouais, je vais faire des trucs avec de la laine, ça va être sympa. Ouais, alors, prochain épisode, je me fais un enclos à moutons, et j'ai plein de moutons, et donc j'ai plein de laine de plein de couleurs. Je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je finis la déco en bas de trucs pour le Nether, je vais peut-être la refaire même. Faire un truc qui descend un peu plus comme ça. Et finir ça, et. Je ferai, je pense, une salle de potions. Je la ferai hors caméra, hein, je sais pas. Ou je la ferai avec vous, je verrai selon si j'ai la possibilité de tourner avant d'avoir fini tous ces objectifs. Et bah, je la ferai avec vous. Hein. Enfin voilà, mais c'est pas la priorité pour le moment, la salle de potions. Et oui, j'avais dit qu'il nous faudra des slime balls, donc ce sera peut-être l'objet de notre prochain épisode. Je ne sais pas encore, car c'est facile d'obtenir des slime balls. Vous le savez peut-être, mais vous le savez peut-être pas, donc je vous expliquerai tout ça, c'est pas très compliqué. Mais enfin voilà, il va nous falloir beaucoup de slime balls pour avoir de ça et de toute manière faire des pistons, ce genre de choses, parce que j'ai bien envie de m'amuser un peu avec de la redstone, c'est rigolo aussi. Allez, ça fait peut-être, je crois, 4 minutes que je parle dans le vent et on va se laisser, ça va faire un peu moins de 30 minutes, mais bon, c'est sympa, c'est un épisode assez bien. Et je vous donne rendez-vous pour le au prochain épisode. Voilà, je sais pas encore ce qu'on y fera, mais on y fera des choses intéressantes et merveilleuses. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est toujours sympa. Laissez un commentaire, dire ce que... 1, 2, 3. Dire ce que vous en avez pensé et vous abonner à la chaîne. On vient de passer les 550 abonnés, c'est assez classe. Et j'espère que ça va continuer encore très longtemps. Voilà, je vais pas m'éterniser parce que quand je commence à partir sur des discours comme ça, j'en dis trop. Stop, c'est fini. Ciao tout le monde, à la prochaine. Bisous bisous!